Good morning, allez, Iden, les tous aujourd'hui le Nishmat Esther Bat Miriam, ainsi que l'Irvoat Olivier, Israël Shimon Ben Chaya Esther, Khamshat Miriam Bat Rosalena et Benjamin Ben Chabiba. Si vous souhaitez vous aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Shabbat, Perek Rav Gimel, Mishnah Delet, Marchechin al Atchum, Lefakeach al Iskei Kala, Vel Iskei Amet, La Vilo Aaron Vetachrichin. Goy Shevi Chalilin Beshabbat, Lo Ispot Ba'en Israël. Ela imken baou mimakom karov. Asulo aron vechafu lo kever, ikaver bo Israël. Vim bishvil Israël lo ikaver bo olamit. Première partie de la Mishnah, c'est la suite et conclusion de la Mishnah précédente, en fait, avec l'histoire d'Abba Shaoul. Je traduis directement, comme ça vous allez comprendre, vous allez vous rappeler directement. Marchirin al atroum. L'archir, c'est attendre le coucher du soleil, la tombée de la nuit. Le chashicha, la nuit. Chosher. D'accord? Le Troum, c'est la dernière limite du Shabbat. En fait, il y a un interdit à Shabbat d'aller à la dernière limite. Imaginez quelqu'un qui doit partir d'urgence à Shabbat. Après Shabbat, il doit partir d'urgence quelque part. Il veut, pour cela, partir à côté du métro. Comme ça, il va pouvoir monter dans le métro le plus rapidement possible. C'est le même principe. Est-ce qu'il a le droit de faire ça pendant Shabbat? Il a le droit de partir à la station de bus pour attendre le bus. D'accord? Peu importe. Là, il fait la. Alors à l'époque, ça se traduisait comment? Ben, ça se traduisait qu'il partait à la dernière limite du Troum du Shabbat, et il attendait que la nuit tombe, comme ça, ensuite, il peut sortir directement pour faire ses occupations. Ça, c'est ce qu'on appelle l'archir à la Troum. Alors la Mishnah me dit, marchirin à la Troum, on a le droit de partir à la dernière limite du Troum Shabbat, le fakeh à chaliske kala, pour partir superviser les besoins d'une jeune mariée, d'une mariée, d'une kala, d'une fille qui va se marier, d'une femme qui va se marier. Valiske Amet, et aussi pour les besoins d'un mort, qui sont tous les deux des besoins de mitzvah. La vilo Aaron vetachirin, qu'est-ce qu'il a besoin le mort? Il a besoin qu'on apporte un Aaron, un cercueil, vetachirin, et les, je sais pas comment ça se dit, les linceuls, en français, pour les vêtements dans lesquels on enveloppe. D'accord? En fait, la Mishnah, elle veut me dire, c'est la suite, c'est Abba Shaoul qui venait me dire, sache que même si ces actions apportaient ces choses-là pendant Shabbat, c'est assourd de le faire. Malgré tout, tu as le droit d'en parler pendant Shabbat, et tu as le droit de partir à la dernière limite du Troum du Shabbat et attendre la tombée de la nuit là-bas pour pouvoir les effectuer le plus rapidement possible ensuite, dès que Shabbat sort. Ensuite, deuxième partie de la Mishnah. Ça va nous replonger un petit peu dans les Amira Leakum, l'interdit de faire un travail par un goy à Shabbat. Cette fois-ci, on va parler d'un goy qui va travailler lui-même, mais sans rapport avec le mort, en fait. Goy shevi chalilin be Shabbat, un goy qui a apporté des flûtes à Shabbat. Alors, juste d'abord, pour comprendre un peu le contexte, c'est qu'à l'époque, ils avaient l'usage d'utiliser des flûtes pendant les spédim, pendant les oraisons funèbres. Apparemment, la flûte, bon, c'est vrai que c'est très, ça éveille un petit peu les pleurs, la tristesse. C'est un son comme ça, un peu strident. Et du coup, donc ils avaient l'usage de faire des oraisons funèbres avec des flûtes aussi. Je ne sais pas exactement dans quel ordre, est-ce que c'était les deux en même temps. En tout cas, il y a un goy qui a vu qu'il y avait un grand juif qui était décédé. Il s'est dit, tiens, je vais faire plaisir aux juifs, je vais vite aller chercher des flûtes. D'accord, il n'y en a pas dans la ville, je vais partir. Alors, goy shevi chalilin be Shabbat, un goy qui a apporté maintenant des flûtes pendant Shabbat. Lo ispot ben Israël. Le Israël ne pourra pas les utiliser pendant Shabbat pour faire le Hesped. Elaimken baou mimakom karov. Je traduis d'abord, après j'explique combien c'est complexe en fait ce qui se passe. Seulement s'ils sont venus d'un proche endroit. En gros, la Mishnah me dit, bon, si les amener de très loin, c'est interdit, mais si c'est pas très loin, ça sourd. Comme ça, même, c'est comme ça que Rashi l'explique, que le Bartonora l'explique aussi. Rashi et Bartonora. Qu'en fait, s'il a transgressé l'interdit de partir d'un troum externe, extérieur, de plus loin que le troum du Shabbat, alors là on dit non, on n'utilisera pas pendant Shabbat, mais s'il les a portés juste de trois rues un peu plus haut, c'était dans le même troum, mais qu'il y avait quand même un Reshut Arabim au milieu, alors on a le droit de faire un espède. Tout ça, tu poses la question, ils ne comprennent pas, ils disent, mais c'est quoi cette histoire? Transgresser Shabbat, il a transgressé Shabbat quoi qu'il arrive, que ça change s'il est parti le chercher à l'extérieur, ou dans la même ville à trois rues. D'accord? Alors du coup. Alors, sur ça, Tosot Bemet y répond que non, d'accord, c'est vrai, mais s'il les a portés de trois rues à côté, alors il n'a pas tellement fait un Chil Shabbat pour le juif.
Il a fait plus à gaffe, quoi. C'est un peu plus compliqué à comprendre. Yah, je préfère choisir le pshat du Ras, c'est ce que le Tifrat Israël il a utilisé. Parce que c'est plus facile, quoi. Il y a en fait un seul paramètre. Birdei chez Yahasu Kayot Sebo. Tout ce que le goy fait pendant Shabbat, si tu veux l'utiliser ensuite. Après Shabbat, tu devrais l'utiliser si c'est cool, le temps nécessaire pour apporter les mêmes choses. En fait, s'il est parti les chercher à 3 rues, partir au maximum à la sortie Shabbat à 3 rues, ça prend 25 minutes. 20 minutes. Eh ben 20 minutes après, tu auras le droit de les utiliser. S'il a fallu les partir chercher à l'autre village à côté qui est à 6 km, alors là, il faudra une heure. Alors là, ce sera une heure. Et ainsi de suite, d'accord? Birdei Sheyasu. Ce qu'on appelle Birdei Sheyasu dans la halakha. Ok? On continue. Asulo Aaron vechafulo kever. S'ils ont fait pour le goy un cercueil, ou bien ils ont creusé pour le goy une fosse, un kever, alors, il kever bo Israël, on a le droit d'enterrer on aura le droit d'enterrer dedans un Israël, un juif. D'accord? Parce que là, le goy, il n'a pas travaillé pour le juif. Par contre, Vim Bishvil Israël, par contre, s'il l'a fait pour le juif, alors là, attention, Loïkaver, Boolamit, on ne pourra plus jamais l'enterrer dedans. Très grand chidouche qui se trouve, qui est marqué presque nulle part ailleurs, en fait, que si le goy, il a transgressé, il a fait le Shabbat, quelque chose pour un juif, par exemple, il a vu qu'il y avait le grand rabbin des juifs qui était mort. Et il a dit, bon, c'est sûr qu'ils vont venir enterrer. Il a déjà préparé tout le terrain, il a déjà préparé tout ce qu'il faut pour enterrer. Très bien. Parfaitement. Du coup, la Mishnah a dit, ah, tu l'as fait pour le juif. Eh bien, on ne pourra plus jamais enterrer aucun juif dedans. Olamit, les Olam. Pourquoi? Pourquoi? C'est là la grande question. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? Fait le même principe. Combien de temps ça prend de creuser un cercueil? De creuser une tombe? Alors ça prend quoi? 2 heures? Eh ben prends 2 heures, dans 2 heures on enterre le Rav. Quel est le problème? Sur ça, hein, il y a deux. Le Tifa d'Israël rapporte deux éventualités, comment répondre. Première solution, première explication, c'est apparemment Beshem Magan Avraham. On parle en fait que quelque chose. On parle que là, c'est quelque chose qui a été fait au grand public. Tout ce qui a été fait pour un juif au grand public, alors premier avis qui pense, tout ce qui a été fait pour un juif au grand public, eh bien. Plus jamais on pourra l'utiliser. Dans Chilul Shabbat, on ne pourra jamais l'utiliser, ça ne servira à rien d'attendre Birdei Sheyasu, c'est grillé, on ne pourra plus l'utiliser. Ça, c'est une première éventualité. La deuxième éventualité, c'est de limiter ça en fait, qu'on parle uniquement pour la tombe qu'il a creusée, que ce n'est pas un kavod pour, étant donné que c'est quelque chose qui était faux au grand public. Et donc du coup, ça fait pas kavod pour le mort de l'enterrer dans une tombe où un goy il a travaillé pour les juifs pendant Shabbat, en fait. C'est spécifique à la tombe uniquement, mais ça ne concerne pas, en fait, tous les autres travaux, parce que tous les autres travaux, si c'était pas une question de mort, mais c'était une question de n'importe quelle autre occasion, eh bien, on attend toujours Birdei Sheyasu, d'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salam.